Monsieur Peabody, vous êtes lauréat du prix Nobel de physique, explorateur de renommée mondiale et double médaillé d'or aux Jeux Olympiques, au saut en longueur et au décathlon. Êtes-vous sûr de pouvoir relever tous les défis que comporte l'éducation d'un jeune humain ? Au vu de tout ce que j'ai accompli, en quoi cela pourrait-il être si difficile ? Très bien. Si un garçon peut adopter un chien, je ne vois aucune raison pour qu'un chien ne puisse pas adopter un garçon. L'année prochaine, le chien le plus intelligent du monde... Pas mal, Peabody. ...sera confronté au plus grand des défis. Quelle que soit la distance qui semble nous séparer. Au revoir, Monsieur Peabody. Être père. George Washington, quelle sorte d'arbre a-t-il un jour coupé? George Washington n'a jamais coupé de cerisier. On invente ce genre de légende pour apprendre aux enfants à ne pas mentir. Voilà un jeune homme qui connaît bien l'histoire, hein, Penny? Monsieur Peabody, Sherman s'est bagarré aujourd'hui. Si les parents de la fillette portent plainte, je ferai en sorte que la garde de Sherman vous soit retirée définitivement. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? C'est elle, elle m'a traité de chien. Ah oui. Qui est-ce qui vient dîner? Tu vas voir. Je vous préviens, Peabody, à partir du moment où il s'agit de ma fille, il n'y a rien qui compte davantage que... Allô, oui, je suis dispo pour un sondage. D'abord, comment tu sais tous ces trucs sur George Washington? Tu me promets que tu parleras à personne de ce que je vais te montrer, d'accord? Il l'appelle le chronomate. Où est-ce que t'es allée avec? C'est pas où je suis allée, Penny. C'est quand? Où est Penny? En Égypte ancienne. Tu t'es servie du chronomate? C'est elle qui a insisté. Allons-y!